Je reprends une petite séance spéciale fessier. Les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos bien plat, je serre dans le ventre et je creuse. Le ventre pour contracter le périnée. Un, deux. J'essaie de ne pas bouger le dos. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, change de jambe. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change de jambe. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On pose encore une fois de chaque côté, enfin 10 fois de chaque côté. C'est parti. On inspire. Et on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, chemin de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et on pose. Allez, maintenant, on est ici sur les talons. Et on revient en quadrupédie. Donc, un petit matériel. Maintenant, un petit matériel qu'on trouve facilement dans les magasins de sport. Soccer. Et là, on va placer les genoux à l'intérieur du cercle. Et on place les genoux sur les coussinets. Le ventre est toujours bien serré. Je contracte dans le périnée, inspire largement et je souffle en écartant. J'inspire en revenant, je souffle en écartant. Deux. Encore. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Alors, pour info, si j'ai pas de petit cercle, j'ai une sangle, probablement. Je place autour de mes genoux. Dans la tienne. Là. Et là, c'est pareil, les pieds à jour du bassin, j'inspire et en expirant, j'ouvre. Et deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
9 et 10. On repose. Donc, soit la salle, soit le cercle. Ici, on reprend une série de 10. Soufflez dans votre effort. C'est parti. 1. Inspirez en revenant. 2. Souffle. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Et 10. Et je relâche. Là, on commence à sentir ce qui se passe. À nouveau, le sang. Et si vous n'avez pas de cercle, n'oubliez pas le sang. Là, je vais me mettre sur le dos, tranquillement, sur le dos. Le bas du dos vient au sol, je relâche les bras. Et là, c'est pareil, j'ouvre mes genoux. Les pieds sont un peu plus larges que la largeur du bassin. Descends tes épaules, bas du dos, dans le sol. Et c'est parti, souffle. 1. Inspire, reviens. 2. Inspire, reviens. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On va rester ouvert. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Ressentez ce qui se passe. Vous devez sentir hein, que ça serre un petit peu, que ça se contracte un petit peu. Et on va faire une dernière série. Donc ça, on a mis ici. Et là, j'ouvre 1. Donc c'est pareil, je souffle en même temps. 2. Je mets les pieds ensemble. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10, on va rester en haut, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous n'oubliez pas de serrer dans le ventre et de contracter le périnée, bassin bien perpendiculaire au sol. Et je relâche, on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, donc, tranquillement. Ensemble, vous pouvez prendre ensemble. Le simple, le facile. Pareil sur le côté. Les pieds ensemble. Respire tranquillement. C'est parti. 10. Répétition. 1. De tu souffles en même temps. 5. Les deux pieds sont ensemble. 6. 7, 8, 9, 10, on reste en haut, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu relâches. On met tes deux genoux ensemble, on repasse à nouveau sur le dos. Respiration profonde ici. Inspirez, placez peut-être un coussin sous votre nuque. Et là, pareil, donc les deux pieds largeurs du bassin, bas du dos, bien dans le sol, et c'est parti. On ouvre en soufflant. 1. 2. 3. 4. 5,
6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Bah, du dos bien dans le sol. On va libérer les jambes de la sangle au sol, et si je relâche. Avant de terminer, petit étirement, le pied droit sur le genou gauche, je repousse le genou et je ramène la jambe sur l'avant. J'attrape le genou, je laisse s'étirer le fessier, c'est important. Inspirez largement. Et pareil de l'autre côté, on croise le pied sur le genou, on ramène et on attrape le genou. Bas du dos bien dans le sol. Respiration profonde. Et on va relâcher, on va reposer. Alors bien sûr, évidemment, ces répétitions peuvent s'allonger, ces séries aussi peuvent s'allonger. Et donc, nous sommes au fessier numéro 2 de la semaine prochaine, les fessiers numéro 3. À bientôt! Merci, merci infiniment, merci beaucoup.